Et yo, aujourd'hui, à l'aide de la saison 1 de Face Bandu Haché. Eh ben ça vous dit rien? Eh ben c'est normal, c'est à l'image du court-métrage de Pouka. Du coup, la musique que vous entendez en fond, ça vient de Pouka, et ça, vous aurez ça le long de la vidéo. Allez, bon visionnage. Un mètre de distance, monsieur. Et bonjour à tous, c'est Confab, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un petit temple. Et apparemment, je suis rouge. Enfin, je sais pas, j'ai pas suivi. J'ai pas lu le doc. Ah oui, là ça lag. Mais bon, je me suis embrouillé avec un mec et on a voulu prendre le même temple. Et 100%, il m'a arnaqué. Adieu. Adieu, littéralement, c'est la fin de notre pacte. Par contre, si tu prends mes arbres, là franchement, tu te prends trop. Attends, on en a abusé. Tac. Parce que nous, on connaît chacun notre équipe. Putain. Ah, t'es quoi, Evoré? Oh, Confab, tu es avec toi? Ouais, salut. Oh, viens, Evoré, on va s'amuser tous les deux. Ouais. Je te bute. Bref, je suis en team avec Evoré. Il est temps d'expliquer ce qu'est Faceband maintenant. On a une rôle, je suis Abigail. Je peux voir où se trouve le chandelier pour avoir des bonus et une pierre de lune. Cette pierre de lune est un moyen de gagner la partie au lieu de tuer tout le monde. Il faut se mettre au zéro et y rester pendant quelques minutes. Dans notre team, il y a une taupe. Et accrochez-vous. Le faceband, donc la taupe, appartient à une autre team que la nôtre. Genre nous, notre faceband rouge est chez la team des bleus. Et du coup, la personne qui est chez nous, le faceband vert, il est affiché rouge. Vous voyez? Est-ce que t'as aussi eu le message de quelqu'un qui disait salut? Ouais. Bah en gros ça c'est la taupe infiltrée dans une autre équipe, qui est chez nous. En tout cas, pour revenir à la game, j'ai eu quelques soucis de doc. Allô? Allô? T'es où? T'es là? On essaie de bouger, je vais chercher des gens. Ouais, viens. Oui. Oh, vas-y, y'a une grosse, viens, on va se mettre là au pire, je sais pas. Bah, attends, non, mon petit, tu peux trouver des teammates avant, quand même. Bah, je sais pas, hein. Mais je sais même pas où on va. Ah là-bas, viens. Y'a de la terre. Et du coup, comme de timbré, on a tourné pour rien. On se baladait n'importe où, on a découvert toutes les cultures de la map par ses nombreux villages et temples. Et vraiment, on aurait dit RMC découverte. Les gens qui sont passés ici. Oh, oh, non, arrête, j'ai pas de pomme. Tu sais, je t'ai tout volé. Oh, c'est bon, j'en ai. Y'a la canne à sac. La canne à sac. Vas-y, je suis sûr que la bedrock, il traverse pas le sol. Viens, moi, je veux miner en dessous. Avec des blocs. On peut miner en dessous? Je sais pas. J'ai envie d'essayer, mais ça va niquer le RR, donc j'ai pas trop envie, en fait. Viens, on va fermer les PNJ. Je suis sûr, il y en a eu, ils vendent de la merde. Ouais, ils vendent de la merde. Non, j'arrête pas à manger. En plus, le PC est fait sur une minute, mais regarde-nous, là. On est les seuls à se balader. On est les deux pegnos, vraiment. Oh, tiens, là, il y a ça. Ça, non. Non, non, c'est nul. Non, arrête. Ah, là. Là, c'est bien. Je prends ce fer, je réquisite. T'as déjà du fer, abuse pas. Ouais, j'avoue. Putain, la cour. Voilà, ah. Parfait. Fin de game. Boum. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'on en a rien à foutre de la game, ça me fume. Oh, il y a du fer. En vrai, faudra noter les noms genre des gens qu'on a croisés avec leur team. Bon, tu penses? Non, non, pas du tout, c'est pour toi, j'en sens pas. J'avoue. En vrai, genre... On s'en fout un peu, hein. De toute façon, on va tous crever, alors. De quoi? J'ai oublié de mettre mon pack de texture, du coup je vais le mettre. Ah, pour cheat, tu m'avais parlé là? Oui. Ok. Attends, je cheat 2 secondes. Ouais, bon, ben là y'a plus rien parce que j'ai oublié de rallumer le rec. Mais quand je l'ai allumé, j'étais AFK pendant 10 minutes. Allô? Non, je vais faire un tour. T'as trouvé quoi en attendant? Rien du tout. J'ai trouvé un grand pion de terre. Tu peux voir là? Ah ouais. Et après, je suis tombé. Ah merde, c'est triste. Comment fais-je?
Bah ouais, bah je pense, bah oui, c'est la meilleure solution. Et là, je vais me faire une pelle pour miner ça. Ah, pardon, ok. Et voilà, là, voilà, c'est ma vie. Il y a des gens qui sont morts. Non, du tout. Je sais pas, j'ai vu un trou dans le chat, là. What, c'est quoi le champ de vitesse est parti, ce couteau. De quoi? C'est quoi dans le chat, là? Mec, c'est quoi le chandelier? Bah, fallait pas dire. Non. C'est spécial à ton rôle, ça. Discrétion sur les rôles. Mais c'est quoi le chandelier? Putain, la vie, pourquoi j'ai peur, ce gars? Mais c'est quoi le chandelier? Mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai lu le bloc une fois, je sais plus ce que c'est comme dans Zelda, tu vois. Ok, si j'ai la pierre de lune, par exemple, je dois te la dire? Est-ce que c'est... Non, c'est une vraie question. Est-ce que tu le dis à tes teammates, ce genre de choses? Bah c'est mieux, histoire que j'en crée pas pour rien, tu vois. Ok. Ah oui, je vous ai pas raconté le pire. J'étais avec Evoré tout le long de la game. On était deux, et pas un seul diamant. On était full fer, que dalle, on allait se faire arracher au zéro. Faut qu'on trouve une solution, et en plus la pierre de lune est apparue chez une team. Alors quand le mur de Bedrock au zéro va tomber, la game pourra se terminer. Donc il faut être paré. Je veux qu'on trouve... De toute façon, je peux pas lire Dark, mec. Mais attends, si tu veux, je te dis ton rôle. C'était bien Abigail. Non, t'inquiète pas, mon rôle, je le connais, c'est bon. J'ai eu un message en tête. Tu es Abigail. Tu peux avoir une boussole. Point. Bien joué, point. C'est juste point, merci. Non, en gros, c'est juste ressortir et aller miner autre part. Si tu veux, moi, mais tu penses que... Attends, deux secondes. Je suis réveillé comme quoi... Tu me... Il n'y a plus aucune retenue. Oh, ce rythme-là, je pense qu'on est plus... peu comme réalisateur, tu sais. Mais tu fais pas... Tu fais pas attention. Elle vient de me spoil son rôle, Erwan. Elle m'a montré l'item qu'elle a fait. Oui, je sais. Mais putain. Moi, ouais, je sais pas. Attends. Puka, Adraic, jaune. Attends, mais oui. Ah, oh, c'est notre fastboy, il vient nous donner le... ce qu'il sait. Ça veut dire que du coup, lui, c'est le fastboy. En gros, notre fastboy, c'est la taupe chez les jaunes. Donc actuellement, on sait que c'est les jaunes. Il y a Puka, Adraic, Valentino, notre fastboy. On est remonté, on a reminé. Et puis plus tard, j'ai fait spam la boussole pour espionner la pierre de lune et on a croisé un mec. Ah, c'est quoi la couleur? Il est jaune. Ah. On va t'épargner, Elixio. Regarde nos stuff. T'as pas de chance face à nous. Aucune chance. T'as aucune chance, ok? Reste de l'autre côté. NDR, c'est lui. C'est un fastboy. Mais salut. Les... T'as pas des trucs, on arrête. Attends, chante. Viens, suivez-moi. Oh, putain. Y'avait personne au 50-50. C'est vraiment ici, on a joué notre vie. Tu veux ça? T'as pas sorti du stuff en rare, donc dans le jeu, on a vraiment rien. Non, j'ai rien du tout. Parce que sans faire exprès, je suis passé à côté. Mec, il a fait une bête cam. J'avoue, en fait, j'ai mis ton pseudo. J'ai perdu ma table d'enchant, je suis désolé. Parfait. Bien. 7 minutes pour trouver du diable, c'est putain. Attends, pourquoi t'as perdu la table d'enchant? Pourquoi t'as perdu ta table? Pourquoi y'a du fébraise? Je m'attendais vraiment pas à trouver 2 mètres, faut le faire quoi. Bah, t'as cookie. Merci. Bon, on est vraiment dans la merde. Les verts. Un peu, ouais. Donc on a reminé pour trouver 2 diamants. Heureusement, on remonte, on retrouve des mates qui suspectent le fastband d'une autre équipe qui se trouve dans notre team. Donc, on cherche la taupe, on s'enchante à l'arrache et on se casse. Bah, mais attends, faut qu'on se tente à Milo. Attends, mec, je fais des bottes et une épée. Vas-y, Non, ça avance. Bah, ouais, mais non, attends, faut qu'on se tourne à Milo. On arrive dessus, on va les entendre. Avec la pierre, ouais, faut les tuer. On va les entendre dans moins de 10 blocs là maintenant. Vas-y go, bah faut les tuer maintenant. Allez go, on attaque. On attaque. Moins de 10 blocs. C'est en dessous, c'est sous terre les gars. Y'a tout. Mais tout a été. Mais c'est arrêté, c'est sous terre. Non, faut niquer le sous terre. Ouais, il est en dessous. Là. C'est Gagab. Tapez-le, regarde, tape-le. Non. Allez, laissez-moi sortir. Non, meurs. Qu'est-ce que... Mais. Il y a Ouvore qui est mort. Fais gaffe, je suis Oh, il y a du stuff, attendez. J'aimerais avoir un truc qui ressemble à du stuff. Oh, ça ressemble à du stuff, ça aussi.
Ouais, bah non, mais moi je profite, j'ai pas eu de diamant de la game. Attends. Vas-y, profite en vrai. Vas-y, t'as trouvé du stuff toi, Rizio ? Ok, nice. Bon, bien évidemment, c'est sans surprise que je meurs. Et en plus, par le gars qui m'a piqué le temple du début. Mais en tout cas, je vous laisse la fin sans aucune coupure. Mais pour vous raconter l'histoire, c'est ma team contre ceux qui ont la pierre, Gab Gab ou Tuteil. Vous savez le temple du... J'accouche. Mais voilà, tombe dans la faille, non? Mais non, on est bien anticapé. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, on saute, hein? On est prêts? Non, je suis pas prêt. Venez, y'a Gagab, là. Derrière toi, mec. Gala, stop! Ok, on tue Gagab, le pauvre. Il est mort, il l'a laissé. Gagab, arrive! Dans la faille! J'arrive, Tuteil! Ouais, viens. Non, viens pas! Mais Tuteil est mort comment? Ah mais je sais où il est là. Il nous a brain. Reviens là Gagab, je suis là, je te vois. Juste à côté. Il remonte. Non. Oh, je l'ai fait tomber. Il est au-dessus. La pioche en fer, elle carry pas là. Il va voir mon épée. Hey Gagab, saute. J'ai gagné. Du coup, t'avais combien? Mais on a win. Est-ce que tu pensais qu'on allait gagner? Non. Moi non plus. On était full fer 80% de la partie. 90%, mec, j'ai trouvé du stuff, je me suis dit, ouais, vas-y, go. Et au final, ma team a gagné sur R et sans que j'ai rien foutu avec Evoré. On reste full fer après la fin de la game pour faire un screen. J'ai décidé de tuer tout le monde. Sinon, Evoré a publié une série de vidéos sur nos aventures sur sa chaîne. Allez voir, c'est drôle, bref. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était ultra drôle de mon côté. J'espère que je vous ai bien retranscrit cette ambiance aussi. Merci d'avoir regardé, et à tout le monde. Attaque ! Ah, tu peux pas faire face au full fer, mets-toi à poil si tu peux.